Bonsoir à toutes et à tous. Bon, enfin il est arrivé ce colis. Je l'attends depuis le 7. Ah, ça fait plaisir. Je vais enfin pouvoir rerouler avec le ECX. Parce que pour l'instant, j'ai vraiment pas beaucoup roulé avec. Alors, qu'est-ce qui se cache dans cette petite boîte? Hop là. Alors, ça, on s'en fout. Ça, pour les emballages. Alors, j'ai repris de l'huile pour les amortisseurs. Et j'ai repris de la 800. Donc j'ai pris de la Corallion, on essaiera, on verra ce que ça donne. Parce que 800, j'avais pas encore. Hein. La plus épaisse que j'avais, c'était 700. En tout cas, belle bouteille. C'est mignon tout plein. Ah, c'est le div complet. Ah, ça, c'est bien. Donc, je le démontrais hein, pour savoir s'il y a deux satellites. S'il y a deux satellites ou quatre. Donc, sur le SCX de base, c'est avec deux satellites dans le div. Donc, on le démontrera, on verra si on a quatre. Donc, là, c'est l'option avec pignon métal. Parce qu'en fait, j'aimerais bien qu'il tienne 3S, mais pas 3S à fond, hein, 3S bridé. Bridé à peu près à 50%, parce qu'en 2S, c'est bien. Hein. Mais il manque le petit truc qui fait que ça pétille, quoi. Et du coup, à chaque fois que je mettais un tout petit peu plus, il y a les deux petits pignons là que j'ai niqué, en fait. J'ai niqué le premier parce que je voulais pas justement niquer les pignons en plastique. Du coup, je roulais slipper fort desserré. Et en fait, le slipper, il a tellement chauffé. Enfin, l'axe métal, il a tellement chauffé qu'il a fond, il est rentré dans le pignon. Du coup, ben, j'ai dit, ben, c'est pas grave, je vais recommander le kit d'origine. Je vais remettre le pignon et je vais le serrer plus fort. Comme j'ai eu un deuxième, j'ai une deuxième couronne avec le premier kit, j'ai dit, au pire, c'est pas grave, je changerai la couronne si jamais ça va pas. Sauf qu'en fait, du coup, j'ai niqué l'autre pignon en plastique. Du coup, bon, ben, ça allait pas du tout. Et du coup, ben, j'ai trouvé le kit pignon métal. Et on a même la couronne du diff qui est en métal aussi. Donc c'est le kit complet. Donc on a apparemment on a le diff complet avec les roulements, tout complet. Donc enfin je vais pouvoir le tester parce que jusqu'à maintenant j'ai roulé à peine un pack avec. Et au moins je vais pouvoir le décrotter un petit peu parce que j'avoue comme j'ai presque pas roulé avec, je l'avais laissé comme il était. Alors j'ai repris ça. Donc ça j'en ai pas encore essayé. Donc ça c'est... C'est de l'huile pour les roulements. Et apparemment, c'est de l'huile qui fait étanchéité en fait. Donc, on va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est l'huile spéciale roulement. J'ai payé ça 5 euros. La marque Tornado. Je ne connais pas du tout. Apparemment, c'est Made in France. Donc, à tester. Donc, ça, on verra aussi. Et on a ça, Nathan, il va être content. Je lui ai pris la Willy Bar qui se monte sur le Stampede. En plus, elle est déjà montée. Donc j'espère que ça se monte sur le 4x4. Parce que je ne sais pas si c'est spécifique au 4x2. Bah, je pense que ça doit se monter. Hein. Ouais, ça va faire chouette sur le petit Stampede. Puis au moins, il ne se retournera plus, le petit pépère. Regardez, c'est pas mal, hein. On va s'ouvrir et aujourd'hui j'ai recommandé la noix de sortie de diff du Stampede parce que Nathan il l'avait cassé comme ça on va pouvoir le réparer et il aura sa petite option en plus. D'ailleurs les roulettes elles sont pas mal du tout, franchement c'est pas mal, puis ça renforcera aussi un peu l'arrière. Oups. Je vous montre. Donc, ça va être tout cool tout ça. Bon. J'espère que vous êtes chaud pour demain matin, les mecs. Demain matin, 9h. Live petit-déj.
Ça va être tip top. Bon, là, je vais sûrement monter ça. Peut-être tout de suite. J'avoue que je suis motivé là. J'ai trop envie de rouler avec le CX. Ou alors, non, je le laisse de côté. Et là, je vais me faire un petit pack avec le slash de Grandoux. Parce qu'il ne l'a pas encore vu rouler. Il a trop envie de le voir rerouler. Donc, j'avais fait un petit test rapide, mais le slipper était trop desserré. Ça patinait trop. Du coup, j'ai arrêté. Ouais, donc je vais faire ça, tiens. Je vais serrer un petit peu le slipper et puis on va se faire un petit pack. Là, il pleut pas pour une fois. Il fait pas du soleil non plus. J'espère que par chez vous, ça va. Et on se dit à demain matin. Ciao, ciao! À la prochaine, les copains!